Salut tout le monde. Dans le fond, là, je fais l'autre vidéo parce que, et tout, en plus, la boîte que j'ai reçue dans le précédent vidéo, je suis... Hey, deux gros sacs pleins. J'ai envie de faire deux vidéos, je sais pas. J'ai envie de faire deux vidéos parce que peut-être ça va être too much pour une vidéo. Okay. On va commencer tout de suite. C'est un peu pêle-mêle, mais en gros, j'ai beaucoup des bombes de bain qui ont sorti les nouvelles. Quelques affaires de Pâques. Fait que là, je vais tout de suite commencer justement avec une couple d'affaires de Pâques que j'ai. Là, c'est sûr, je vais prendre mon sel parce que je les connais pas toutes par cœur. Fait que je vais me promener avec. Dans le fond, la première affaire, hey, ça, je l'ai vu sur la caisse juste avant de payer. C'est le Lip Scrub gâteau carotte. Je m'attendais pas à ce qu'il sente tant que ça. Il sent vraiment trop bon, là. Ça sent le gâteau carotte comme boosté de sucre, là. Mmh! Non, ça sent vraiment bon. C'est du gâteau, c'est juste ça qui est écrit. Gâteau carotte, c'est du gâteau. Fait que ça, je suis super contente. Puis l'autre affaire que j'ai pognée, bon, je viens de le trouver sur mon cellulaire. C'est un genre de nettoyant solide et hydratant en même temps. Moi, je l'utilise plus comme hydratant. Ce matin, je me suis lavé avec le shower gel Cinder. Fait que j'ai pris lui pour après. Mais dans le fond, il y a plusieurs utilisations. Un tonine pour hydrater avec cette création printanière, utilisée comme nettoyant corporel ou pour une dose d'hydratation supplémentaire. Après, vous nettoyez votre peau avec un savon. Faites glisser la barre au beurre de cacao sur la peau mouillée pour chasser la saleté et hydrater en un tour de main. L'huile de graines de carotte et l'extrait de carotte dans l'huile de tournesol sont remplis de vitamines A et E afin d'apaiser et adoucir la peau. La fragrance sucrée du jus d'orange frais, du bois de santal, du pamplemousse stimule l'essence et ajouteront du pep à votre routine. Ouais, ça sent vraiment bon. C'est difficile à décrire. On dirait que ça sent les carottes avec les oranges. C'est peut-être rien que je viens de le lire. Mais je l'ai utilisé un matin et il va super bien. Je suis super contente. En voici, je pense que j'en aurais peut-être acheté deux. Parce que j'ai plusieurs shower gel Cinder. Fait que pour faire que je vais peut-être repoigner d'autres produits. Mais, je sais pas sont toutes où mes affaires. Je vais essayer d'y aller comme dans là. Ça, ça n'a pas d'affaires là, ça non plus. Ok, je vais faire mon ménage dans mes sacs avant. Fait que, ok, je pense que je viens d'en trouver deux justement dans les affaires de Pâques. C'est des body scrubs, c'est des petits lapins. Je vais vous montrer ça. J'ai celui-là et celui-là, comme ça. J'ai acheté les deux. Ils sentent super bon. Mais je pense que celui au chocolat, il sent meilleur. La fois que je suis allée en boutique, il restait chocolat, il restait juste un. Fait que j'ai dit, let's go, donne-moi-les. Vite, donne-moi-les. Là, je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Mais, voyons, il en reste-tu? Sur le site, puis ok. Exfoliant au cacao, puis l'autre c'est exfoliant au coco. Mais allez là, celui au cacao. La fois, j'irai peut-être pas les deux, là, ça, c'est la même affaire. C'est un que l'odeur qui est différente. Donc, cacao, lapin au chocolat sont populaires à Pâques, mais ils rendent la peau soyeuse, le sucre granulé exfolie l'épiderme en douceur et l'extrait d'aloise apaise et rafraîchit. Prenez-en un morceau, massez-le sur la peau et rincez pour une peau des plus douces. Le beurre de cacao provient d'une communauté pacifiste, blablabla. Le mode d'emploi, c'est masser sur la peau pour adoucir les zones rugueuses, c'est faire pénétrer les beurres riches, rincer et tapoter. Ouais, il sent. Je sais pas pourquoi j'aime mieux celle au chocolat. Il y a de quoi de bizarre dans l'autre. On dirait qu'il sent comme un peu le citron, puis à cause que je pensais que ça sentait plus le coconut que ça, ça me fait bizarre dans mon nez. Bizarre. Fait que là, je vais aller dans mes petites bombes de bain, les exclusivités. Je vais essayer de les retrouver vite, vite. Allez, allez. Guide des bombes. On va vous en montrer dans l'attendant qu'il load. Ben, c'est sûr que là, je connais pas tout par cœur. Fait que celle-là, je la chercherai pas parce que, oh my God, elle est trop hot. C'est Black Rose. Je pense que c'est ça son nom. Puis là, mon téléphone, il collabore zéro. C'est pas ça que je voulais. Fait que, je vais essayer de le trouver. Mais dans le fond, Black Rose, ça sent pareil que Rose Jam. C'est la même odeur. Ben, pas pareil. Sensiblement la même odeur.
Mais elle est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de faire des démos avec. Ben, un démo, ben, j'en ai juste une. Là, je suis partie sur un nouveau trip avec mes démos que je fais fitter avec des tunes, en fond. Je fais des bombes de bain, puis je fais fitter les chansons qui vont avec. Je trouve ça vraiment cool. C'est mon petit, c'est mon gros plaisir de la vie, là, trouver des chansons. Mon chum, il m'aide aussi. Des fois, je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais fitter avec ça? Fait que, avant, je jouais de la musique dessus, puis là, je trouve ça cool de mettre des tunes. Fait que, ça, c'est, je vais essayer de trouver le vrai nom. Là, je viens d'arriver dans le bon dossier, là. C'est-tu Black Rose? I don't know. Mais je pense que c'est ça. Black Rose. Ah ouais, load. Rose noire, c'est ça. Black Rose. Ben, là, je vais en prendre un autre au hasard. Ah, ça, c'est Comforter. Ça, c'est la même odeur qu'un réconfortant. Ça, dans le fond, ces bombes-là, les Community Favorites, ils avaient sorti genre en janvier. Mon conjoint, ils avaient acheté comme pour ma fête. Sauf, je pense qu'ils ont sorti 12, j'en ai eu 10. Il y en a deux qui étaient BO, celle-là, puis Tenders the Night. Puis là, je suis nounoun à la boutique, il l'avait Tenders the Night, puis je placotais avec les vendeurs, puis j'ai oublié. À la maison, je me suis rendu compte, j'ai oublié de le mettre dans mon sac. Je suis comme, waouh! Hey, dans le fond, je ne les ai pas toutes prises, ça m'aurait géré plus que deux sacs. Mais mon compte de banque, il doit être content que je ne l'ai pas pris, que je ne les ai pas toutes prises. Fait que, ça, j'avais vu des démos de ça, je la voulais. Magic. S'appelle. Ouais. Dans le fond, je cliquerai pas sur tous mes petits trucs parce que, genre, ça va être trop long, là. Moi, ça, je voulais décrire à l'œil. Mais, c'est une weird odeur. Ça sent un peu comme les gardiens de la forêt, la bombe verte. Puis je pense en dedans, elle a de la couleur. Mais ça sent bon. Ça sent rien comme différent. C'est pas fruité. C'est plus des odeurs terreuses. Earthy, genre. Puis ça, c'est Magic, qu'elle s'appelle. Fait que je sais pas, mais je pense que je vais mettre la tune Magic Dance de David Bowie. Je pense. Je trouverais ça. À moins que je trouve d'autres choses de meilleures. Ah, ça, c'est Hodler. Hodler, là, je trouvais tellement qu'elle faisait un beau bat-art. Checkez ça. Ça, c'est disait, j'avais déjà été lire, je l'ai retenu. Ça disait que ça s'inspirait des folklores norvégiens. Puis là, j'étais comme, ah, quel genre de musique je vais mettre là-dessus. Puis quand je l'ai vu, à un moment donné, ça m'a fait penser au clip de MGMT Electric Dance, je pense que ça s'appelle. Genre, l'atmosphère, elle ressemble à bon. C'est nono, là, mais je trouve que ça ressemble. Puis, j'ai hâte de faire cette vidéo-là, peut-être même à soir. Fait que, ça, je pense, c'est No Worry Pas. Je pense que ça s'appelle de même. On dirait que le nom est comme semi-français, semi-anglais. Je vais vous la montrer comme ça. Je vais essayer de le trouver. Allez! Elle est où? Fait exprès, genre, ça va être la dernière du site, là. Sérieux, il y en a vraiment beaucoup des bombes de bain. Heureusement, je ne les ai pas toutes achetées. Ah, on dirait vraiment qu'ils font exprès. Ils l'ont mis comme à la fin. Neige blanche. Ne worry pas. Là, je sais pas si vous avez des idées de tunes, mais je pense que je vais faire Don't Worry, Be Happy. Ça sent. Ah, là, j'ai une coupeur sur le pouce. Ça me fait vraiment mal de me prendre des bombes de bain. Ça chauffe. Ah! Je vais la serrer. J'aurais dû mettre un plaster. C'est ça de dire que ça sent? Ah, je suis vraiment poche. J'ai pas de nez. Mais ça sent bon. Ça sent, je suis sûr qu'il y a du genre du néroli ou du jasmin. Ça sent comme un peu floral. Celle-là, ça, c'est Peng. Ah, elle, là, je me disais, my God, quel genre de tune je vais mettre là-dessus. Ça sent super bon, en plus. Elle me fait penser un peu à l'œuf du dragon. Ouais, ça sent, il doit y avoir genre de la bergamote dedans. La bergamote. Puis, hein, mon conjoint, il a une astuce flash, puis cette tune là, il dit Miss Suffer in USA, à cause ça a l'air d'un ballon de blanche. Fait que, ben, je vais faire ça. I think. Ça, je pense, c'est Géode. Ouais, Géode, j'ai pas encore trouvé, je sais pas quoi mettre. Comme ça. Elle est super belle en plus. Tu sais que c'est le bleu en dedans, puis le mauve. Ça me fait capoter, c'est super beau. On dirait qu'elle sent rien, mes amis. On dirait qu'elle sent pêche. Ouais. Ça ressemble un peu à la bombe de pêche qu'il y a eu. L'odeur, en tout cas. Fait que j'ai hâte de... Je sais pas quoi mettre comme musique. I don't know. Bon, je vais en remettre dans mes sacs. Ça, c'est... Ah, ça, c'est un revitalisant jungle. J'adore. J'adore l'odeur, tiens, comme ça. J'adore l'odeur, puis là, je vais faire une expérience. Je vais essayer de faire un revitalisant liquide avec. Je vais essayer comme peut-être de le râper. J'ai vu ça des plein de vidéos sur Internet, là.
pour mettre des trucs en liquide, des shower gel, tout. J'ai déjà fait l'expérience une fois, ça n'a pas marché, mais je pense que j'ai pas mis assez de shower gel liquide. Fait que, dans le fond, je la râpe. Peut-être je vais mettre dans un bain-marie, peut-être avec un peu d'eau, parce qu'ils ont déjà des traitements là, qu'on dilue dans l'eau. Fait que je vais l'essayer, puis après, m'a mettre genre au moins 3 fois la texture que je vais avoir en revitalisant qui sent pas trop. Justement, pour masquer l'odeur de Jungle, parce que je capote trop. Jungle, j'avais amené ça dans tous mes voyages. Moi, ça me rappelle les voyages. Ça sent vraiment comme la jungle. Je sais pas que ça sent la jungle, mais ça sent la jungle pour moi. J'aime trop ça. Fait que là, gars, je pense que j'ai le temps, je fais ça vite, de faire mon autre sac. Bon, j'ai tout arrangé. Bye bye, le premier sac. Allô, le deuxième. OK, ça, je suis contente, c'est tout. Je suis arrivée à la boutique, c'était la dernière chute. Ah, il reste un kitsune. On dirait un coquillage. Super mignonne. Ouh! Elle sent super bon. Elle ressemble à l'autre d'avant, à Géode. Je trouve l'odeur. Elle sent pas super fort. Ouais. Ben, ça, le coquillage, je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Mon chum avait dit sous l'océan, du film La Petite Sirène, mais je pense que je vais le garder pour une mélusine. Je sais pas ce que je vais faire. Ah, peut-être la toune du film The Beach, La Plage avec Leonardo. Ça, je vais essayer de le sortir parce que ça vaut trop la peine. Puis elle est super fragile. Fait que, je vais essayer de pas la briser. Il y en a deux de même. Moi, j'ai rien pris une des deux. L'autre est orange et jaune. Puis c'est. Ça, c'est comme ça. Ils vont ensemble. Attends. Comme ça. Comme ça. C'est l'union des deux. Je vais essayer de vous trouver le nom. C'est quelque chose lunaire. On va le trouver pour vrai. Là. On dira pas quelque chose lunaire. Sortilège lunaire. Fait que ça, je sais pas. On met-tu Man of the Moon d'Andy Kaufman à cause du mot lune? I don't know. Mais ça sent super bonne. Elle sent. Ça sent sucré. Ça, ouais. Ça, c'est un incontournable. Il fallait pour avoir la gamme au complet. Karma! Ouh, je suis contente. Karma, je commence à tomber en amour vers elle avec. Je l'ai reçu à ma fête. J'ai reçu la petite boîte en métal avec. Le parfum, le savon, puis la crème. Puis après, je suis allée m'acheter la barre de shampoing. Puis, c'est tout. Ah, j'ai le petit shower bomb Karma. Là, j'ai la vraie bombe de douche. Fait que Karma, je sais pas mal de trucs, je suis contente. Ça, c'est Groovy. Attends, m'as-tu trouvé le vrai nom? Moi, je veux vous dire les vrais noms. Je veux pas vous dire n'importe quoi. C'est Groovy quelque chose. Groovy, amour, machin. Là, pour faire exprès, je la trouverai pas. Il y a tellement de bombes de bain qui ont sorti, là. C'est fou raide. Comme je l'ai dit, mon magasin, il n'avait que la moitié, puis je les ai pas toutes achetées. Comme ici, on voit le petit papillon, je l'ai pas pris. Pas sommeil profond, je l'aurais aimé. Je l'ai pas pris. Ben, je l'ai pas vu. OK, amour, Groovy. Fait que ça, je sais pas ce que je vais faire. Hein, à part Groove is in the heart. Groove is in the heart. Ça sent super. Ah, ça sent les bonbons. Ça sent les fun dip. Ça sent trop bon. Ah oui. Elle a l'air d'un bonbon, puis ça sent les bonbons. Trop cool. J'ai hâte de le faire. J'ai tout hâte de le faire. J'ai tout hâte de prendre mon bain tous les soirs. Ça, c'est Kappa. Kappa, ça a été inspiré, ça. Ils disent du folklore japonais. Fait que là, j'étais comme, on va essayer de trouver une toune avec des Harajuku, puis ils ont déjà une bombe qui s'appelle Harajuku, puis j'ai pas trouvé. Mais là, à cause du mot japonais, je pense je vais prendre Gangnam Style. Je sais pas. J'ai pas d'autres idées. Gangnam Style. Oh, regarde, c'est cute. Son petit top, il est beau. Avec des yeux. Elle est mignonne. Ça, les enfants vont la trouver vraiment toute mignonne. Dans le fond, j'achète. Si je vais avoir eu le temps. Ça, c'est Belle de nuit. Des fois, je vais essayer de checker les noms en anglais, ça va aider pour la musique. Parce que là, mon chat me dit, mais la toune Belle de je sais pas quoi, de Bruno Petit, genre. Je dis, ah, je mettrais pas Belle. Elle est super belle, hein. Mais ça ressemble à l'autre bombe de bain que j'ai, Calavera. Ça ressemble, pour moi, il y a du Neroli dedans. Ça, je la sens tout de suite, le Neroli ou du jasmin ou du mélange des deux. Ça, c'est sûr que c'est moins des odeurs que j'aime. Là. Moi, j'aime vraiment plus ces affaires comme ça, citrus ou plus sucré ou floral. Ça, c'est comme tout floral. Ah, ben ça j'avais tellement trouvé la toune. Je pense que ça s'appelle Dom Pérignon, genre. C'est comme une bombe. Il y a du champagne, ils disent, dedans. Ou comme un genre d'essence de champagne. Puis c'est bien du citron, des trucs comme ça. Ça sent bizarre. Elle me fait penser
Bombe Pérignon, c'est ça le nom. Ça me fait penser à... le petit cadeau à Noël, là, la bombe de bain du petit cadeau, je ne me rappelle plus le nom, là, ils viennent faire exprès, là. Mais ça me fait penser à ça, Golden quelque chose. Là. Ça ressemble à ça. Puis à cause du... c'est avec du champagne, je pense que je vais mettre la toune de la MFAO, Champagne Shower. Puis là, je me suis acheté un gros cadeau pour moi. Je ferai pas l'unboxing tout de suite, peut-être que je vais le faire un moment donné. Puis, ben, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a, parce que moi, je suis arrivée, j'ai dit « Trace quoi de Pâques? » Elle me dit « Il me reste un Free Ranger. » Genre, je l'ai eu l'année passée, j'en voulais pas un autre, je sais qu'est-ce que c'est. Puis, il restait les deux petits lapins que j'ai ramassés, le lip scrub, puis l'espèce de carotte hydratante, là. Mais toutes les autres bombes de bain, ils n'avaient plus. Puis là, j'ai dit « Il fait deux ans que je veux le petit coco en or, le golden egg. » Ça a l'air que ça sent tellement bon, genre comme It's Raining Men au miel, là. Puis plein d'or, là, des petites paillettes, j'aime vraiment ça. Puis là, elle dit, on n'a plus, on a un dans les boîtes cadeaux. J'ai dit, let's go, je prends la boîte. Fait que je vais vous le montrer comme ça. Il y a le Golden Egg. Ça aussi, ça fait deux ans que c'est là. Le petit coco, vous voyez, ça, c'est un bubble room. C'est comme une barre, une barre de mousse, là, que tu coupes. Puis en dedans, comme un peu d'hydratant, là. Puis je pense que ça sent, il dit, chocomante. C'est ça l'odeur. C'est ça. Et dans le fond, ils en font une de même, la bleue et rose. On va la remontrer. Bleu et rose, mais ils en font une jaune avec des petits picots. Puis, ça fait deux ans, puis je les ai jamais eus, parce que sont à tout faire, on arrive en boutique, ils sont BO. Puis, il y a, dans le fond, tout ce que j'ai était plus en boutique. La petite bombe de bain que vous voyez, œuf poussin, œuf fun poussin, c'est une bombe en deux parties, puis dedans, il y a un fun comme le plastine en forme de poussin, mais ça, ils en ont sorti plein, ils en ont sorti avec des dinosaures dedans. C'est sûr, j'aurais aimé ça avoir les dinosaures puis les petits gars, mais j'ai le poussin. Il y en a un, c'est un lapin et tout. Puis l'autre, c'est une bombe de bain en deux parties. Il y a la tête puis il y a le corps. Ça, c'est le lapin. Ouais, bon pour le bain, lapin, bombe. Ils ont fait un qui a un agneau. J'aurais aimé ça avoir l'agneau. Il est beau, il est blanc et bleu. Dans ma tête, il doit sentir un peu comme la lavande et la camomille. Mais ben là, j'ai celui-là. Fait que, regarde, je peux... Ah, les autres, j'ai les descriptions, je vais les lire. Bombe, lapin, sauter dans le bain avec cette bombe au parfum vivifiant de bergamote, d'huile essentielle d'orange et de brésil. Bon, déjà là, la bergamote, je devrais aimer ça, j'adore la bergamote. Œuf, poussin, les autres, ils disent qu'est-ce qui est arrivé en premier? Casser ce coco pour savoir et plonger dans deux bains rafraîchissants à la menthe. Ah, bizarre, ils ont fait les couleurs orange et jaune, puis il est à la menthe. C'est pour ça que ça sent la menthe de même, ma boîte, parce que l'autre, le macaron moussant, le bubble room, casser ce coco en deux pour obtenir un rafraîchissant bain moussant ou hydratant au beurre d'amande verte et au beurre de karité de cacao. Okay, c'est pour ça que ma boîte sent comme ça la menthe. Et la petite bombe de bain de l'œuf fondant en or. Prélassez-vous dans des riches eaux dorées au délicieux parfum de caramel mielleux. C'est pour ça que ça sent tellement bon. Ben, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert, là, mais je suis sûre que ça sent bon. Fait que, puis, super beau, là, mes petits foulards. Moi, je les aime, là, les petits wraps, là, pour emballer, là, pour économiser du papier d'emballage. Fait que, dans le fond, ça conclut ça. Fait que, je suis full stock loche. Puis, vu que l'été, je travaille moins, ben, je prends plus mon bain. Parce que sinon, je finis tard, puis je prends pas tout le temps mon bain avant de me coucher. Fait que là, j'ai tout mon été pour essayer ça. Puis, il va y avoir tout la fête des mères qui s'en vient. Fait qu'il y a une sélection de la fête des mères. Je sais pas, là, je vais en avoir. Oh, chum va trouver que j'ambitionne pas mal. Puis, la fête des pères, ils en font une petite sortie. Ben quelques produits. Fait que ça, je sais pas. Puis après, d'habitude, ça va pas mal à l'Halloween. Fait que j'ai dit, ben là, je devrais putain avoir de stock loche. Fait que je suis super contente. J'ai tout ça essayé. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Et thumbs up, si vous aimez ça, abonnez-vous. Puis, vous pouvez me laisser vos commentaires. Puis, je vous souhaite un gros bye-bye. Bye tout le monde!